Parce que je l'avais observé. Parce que j'avais collaboré avec lui. Parce qu'il avait obtenu les résultats dans le travail qu'il faisait. Et quand tu prends cela en considération et que tu sais que le problème essentiel de notre pays, c'est le développement à la base, ton choix est facile. J'ai donc choisi pour cela le candidat Sellou d'Alain Diallo. Écolo, Alliance Bon, voilà, Alliance Agnasso. Alliance Contagé. Vraiment, nous entendons par la malheureuse. Quand nous sommes et même année, petit à petit dans mon livre, c'est là. Quand nous parlons, petit à petit, c'est vous les royaumes. Quand on voit tout le matin, va. Voit tout le matin. Nous sommes tous les noms, les noms, les noms, les noms, les noms, les on m'a foulé dans l'île, là. C'est mon vrai nom qui a regardé. Alors, la Guinée, c'est Wayna, là. Ce problème est trop sérieux pour qu'on le réduise à un problème purement ethnique. C'est un problème de développement. C'est un problème pour chasser la misère ici. C'est un problème pour vous donner des emplois, vous les jeunes. C'est un problème pour donner l'électricité. C'est un problème pour développer l'agriculture. Quand vous avez à faire face en tant que responsable à une situation pareille, tu n'as pas le droit de te tromper. Voilà pourquoi mon ancien ministre des CTC, ministre des Travaux publics, ensuite premier ministre de la République de Guinée, nous l'avons choisi comme notre candidat. Et j'ai demandé à tous les militants de l'UFR de voter pour Elhadji Sellou d'Alain Diallo. Nous venons de faire une tournée en Guinée. Nous avons fait Ibreka, Porekarea, ensuite Boké, Kamsar, Sangarédi. Nous avons fait Kilia hier. Nous avons fait Koya. Et nous sommes en Conakry aujourd'hui. Ce que j'ai vu du mouvement de soutien autour de notre alliance, l'élection pour moi est déjà gagnée. Cette élection sera gagnée si vous surveillez votre vote. Si vous surveillez les bureaux de vote et que vous fassiez attention à ceux qui sont en train de changer les listes électorales, à ceux qui sont en train de tripatouiller les listes, il faut faire attention à tout cela. Si vous prenez ces dispositions, comme l'a très bien dit mon prédécesseur, 64% contre 36%, l'alliance sénégalaise président a déjà gagné les élections. Je sais que tout le monde est pressé d'écouter ce nouvel. Les journalistes, on a pris trop de l'avance. Reculons un peu, s'il vous plaît. Nous gênons les autres. Parma aussi, s'il vous plaît, acceptez de prendre un peu de recul. S'il te plaît, écoutez. Je veux du massaïque parce que les hommes manipulent. Président, je vais vous faire une suggestion. Vous savez que l'alliance
que le président reprendra sa colonne tout à l'heure, nous sommes venus par notre route, eh bien nous rentrerons, on va ramener ce loulalin à domicile, c'est à Dixi, le pas. Section d'intérêt, vous êtes prêts? Tout le monde sur la route, donc, ok? Je voulais qu'il me salue, c'est le président. C'est nous! Militants et militants de l'OPG et de partis d'alliés, je voudrais tout d'abord vous remercier et vous féliciter pour cette grande mobilisation qui est une illustration de la carte de votre attachement à votre candidat. Oui, à votre candidat, mais au projet de société de l'Alliance que vous avez décidé de soutenir. J'ai laissé autant de monde dans Sanoya. J'ai laissé autant de monde à Bambeto. J'ai laissé autant de monde à côté. Je suis le finance illustration et le camp de notre victoire le 24 octobre. Mais ce n'est pas la seule preuve que nous avons. Nous étions attaqués, comme l'a fille rappelé, le président Sidya Touré. Les populations de Boké, de Tansar, de Sangaredi, de Bofa, de Koba, de Fria, de Kimia, de Koya, ont fait preuve de la même volonté, de la même disponibilité et du même engagement à nous porter le 24 octobre à la présidence de la République de notre pays. Cette victoire est désormais certaine. Nous avions eu quelques doutes parce qu'il y a une campagne de diffamation, de mensonges orchestrée par nos adversaires qui sont à court d'arguments et qui m'ont dit que la bascule n'est pas avec celle d'aller. Mais quand même, la preuve a été donnée. Les compatriotes résidents en Basse-Guinée, ils sont Soussou, ils sont Père, ils sont Malinké, ils sont forestiers, ils sont bien avec votre candidat. Et vous aviez déjà la preuve arithmétique, puisque vous savez bien que nous avons obtenu 44% de suffrages exprimés au premier tour grâce au vote de la Basse-Guinée. Mais en plus, ces équipes aujourd'hui, ceux qui ont une légitimité pour parler de la Basse-Guinée, c'est qui? C'est moi-même, c'est Sidya Touré, c'est Abessina, puisque les électeurs de cette région nous ont accordé plus de 90% de leur suffrage au premier tour. Est-ce que quelqu'un a le droit de parler au nom de ces électeurs? Nous avons déjà la mesure de leur choix. Puisqu'ils ont choisi à hauteur de 90%,
pour Selou Dalé, pour Kylia Touré, pour Abou Sombaré, pour Abé Silla, pour Fode Mohamed Silla. Et nous savons que c'est des hommes et des femmes qui ne changent pas tous les jours. Ils se resteront fidèles à leur choix, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous que les gens qui ont voté pour le professeur Alpha Condé au premier tour votent pour moi au second tour? Je ne compte pas sur ces électeurs pour gagner l'élection.